Et ensemble, nous sommes le Diamond Painting Squad. Coucou, c'est Soso. Bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le Diamond Painting Squad Quiz. Je le sais, j'ai énormément de retard. Honnêtement, avec le temps des fêtes, les enfants toujours à la maison, la production vidéo est difficile. Et c'était des longues vidéos, les dernières questions du quiz. Donc, cette semaine, je devrais avoir une journée là, pour faire de la production de vidéos et essayer de me reprendre là, dans les questions du quiz. Mais en attendant, je voulais quand même répondre à celle de cette semaine, comme ça, au moins celle de cette semaine, vu qu'elle est rapide, ça va être fait. Et puis, je vais faire les autres là, à ma journée de congé. Donc, voilà, la question cette semaine, c'est est-ce qu'on a un thème préféré, en particulier en ce qui concerne le diamond painting? moi, je dirais... J'adore faire des toiles avec des thématiques de fête, exemple, des toiles pour afficher dans le temps de l'Halloween, dans le temps de Noël, dans le temps de Saint-Valentin, etc. Parce que je trouve le ça le fun. Sinon, à part ça, je sais pas trop, je suis pas fanatique des paysages. Je crois que j'en ai un paysage. C'est un Chuck Pinson, là, tu sais, donc c'est un vrai beau détaillé que j'ai pas fait, là, encore, mais c'est... Je voulais avoir un Chuck Pinson, là. Sinon, j'aime beaucoup Annaline et c'est difficile, honnêtement. Je suis pas... je sais pas comment dire. Je suis pas tant difficile, mais en même temps, oui. Oui, c'est une question qui est rapide, mais en même temps compliquée, tu sais. Je suis pas... je sais pas comment dire. J'y vais vraiment avec le feeling, avec ce qui m'accroche. Avec mes coups de cœur, là, tu sais, j'ai pas... Tu sais, je suis pas du genre, ah, oh, moi, je fais presque juste des paysages parce que j'adore trop ça. Ou genre, je fais juste des Disney. Je sais que, tu sais, ça va m'arriver, mais c'est pas comme une passion première, là, tu sais. C'est sûr que si je vois qu'il y a une Annaline qui sort... Je vais regarder si c'est un coup de cœur parce que c'est une artiste que j'aime beaucoup. Il y a certains autres artistes que j'aime beaucoup aussi, là. Une que le nom m'échappe, là. Oh, c'est quoi son nom? En tout cas, tu sais, il y a certains artistes, là, que je sais que j'apprécie, là. Mais sinon, mis à part ça, là, honnêtement... J'y vais vraiment au feeling, au... tu sais, ce que je veux faire comme déco, tu sais, exemple, j'aime les Randall Spangler parce que ça fait partie de la déco de chambre à mon fils. Mais tu sais, j'ai un but derrière ça, là. Je vais pas acheter toutes les Randall Spangler parce que j'aime Randall Spangler, tu sais. Fait que c'est ça. Souvent, j'ai un but pour... afficher, pas pour toujours, mais au moins un certain temps. Comme là, exemple, je travaille sur ma toile épice que j'ai fait faire en personnalisé parce que mon but, c'est de la mettre dans ma cuisine, tu sais. Fait que c'est ça. J'ai pas... c'est un peu plate, finalement, mais j'ai pas de... C'est ça. Je dirais peut-être que je trippe un peu moins sur les paysages, sauf les Chuck Pinson vraiment faits par Diamond Art Club. Ou, exemple, il y a des paysages faits par Oraloa ou des choses, ou même Dreamer Design, qu'ils vont vraiment réussir à bien les représenter, là, tu sais. Mais sinon, c'est ça. C'est pas ce que je préfère. Oups.
Fait que c'est ça. Ça va être ça ma réponse pour cette semaine. Je vous invite à répondre à votre tour. Je vous invite à venir nous rejoindre, comme d'habitude, là, sur la page Facebook du Diamond Painting Squad. Puis de continuer à nous suivre. Et puis pour ceux qui sont intéressés là, à voir ma rétrospective de 2021, etc., je fais ça probablement là, à ma journée de congé cette semaine. Je me reprends promis. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Puis on se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos. Bye bye!